Le numéro 7, donc on est bien. Alors, le haras de Limarzel à Pont-Mahé dans le 44 nous propose ce numéro 7, on est bien. Vous ne connaissez pas le haras de Limarzel et pour cause, en tout cas les gens qui vont à la saillie de galopeurs, puisque c'est la première année où ils ont des saillies de galopeurs. C'est bien cela. Et donc, on est bien, on est bien, on est bien, et le seul unique fils d'Enrique en France. Le seul fils de Enrique en France, il a fait la monte. Alors il a un destin, ce cheval. Il était chez Élie Lelouch. Et puis après, il a commencé la monte dans un haras dont je tairai le nom par charité chrétienne en Normandie, mais où il était impossible d'avoir une réponse pour emmener les juments à la saillie. Je peux vous le témoigner. J'en ai été moi-même la victime. Donc forcément, il ne saillissait que 4 ou 5 juments par an. Et malgré cela, on est bien à une production tout à fait remarquable. Vous avez vu l'un de ses produits, Apollo Creed, qui gagnait de façon très spectaculaire sur l'hippodrome de Cagnes. Et on est bien qui est arrivé au haras de la Rousselière l'an dernier, c'était en 2017. Après, il est parti à Corlay en 2018, cheval qui marche très bien d'ailleurs, et qui maintenant il fait la monte dans le 44. Un étalon qui a gagné à l'âge de 2 ans en débutant. Il était très précoce et ça, parmi ses foals nés en 2018, ils ont été très remarqués par les entraîneurs et les acheteurs. Voilà, à titre personnel d'ailleurs, j'avais deux, on est bien. Eh bien, ils ont tous les deux étaient vendus, l'un à Philippe Pelletier et l'autre à François Nicole. Voilà, c'est quand même des maisons qui représentent quelque chose. Voici donc pour le numéro 7, on est bien.